Bonjour, bonsoir YouTube. Aujourd'hui, nous allons découvrir Genesis Noir, qui est un jeu illustré en quelque sorte, basé sur le style un peu polar, avec évidemment une histoire qui va être racontée dont je ne connais absolument rien du tout, mais qui va inclure des éléments colorimétriques. Parfois, la réalité est trop complexe pour vos seules perceptions visuelles. Ok. Selon la théorie des cordes, l'espace-temps contiendrait 5 fois plus de dimensions que celles que vous appréhendez. À quoi ressemble véritablement la réalité? Qu'existait-il avant que le Big Bang n'engendre l'univers? Ces questions sont sans réponse. Mais l'imagination matérialise l'inconnu grâce à des mythes. De cette brume impénétrable se dégage un monde au contour familier. Votre esprit transforme ces volutes de fumée préternaturelles en êtres de chair, d'acier et de béton. Votre expérience redéfinit le monde et lui donne sa forme éternelle. Vous lui donnez un nom? Vous l'appelez la constante. La constante. J'adhère totalement à l'ambiance. J'adhère, mais totalement à l'ambiance. Je suis ultra client de cette ambiance. Mais non, on peut refourguer des montres. Hey, c'est Jean Mohamed de Sin City, bonjour. Quel type de montre tu veux? Alors. Et là, c'est la veste, vous voyez la main et tout. Hey, psst. Hey, tu veux un sub? Hey, psst. Hey, tu veux quoi comme sub? Je veux un truc simple, je veux un truc élégant, je veux un truc rond. Ah, c'est bien, là. Soit celle-là, soit celle-là. Hey, psst. Hey, ok. Très bien. Ouais, très bien. Je vends des montres, donc. Et madame ! Madame ! Très bien, je suis très fan de l'ambiance. Je suis très déstabilisé par son contenu. Oh. Ok, non ! Tellement stylé. Je suis très fan.
Belle ambiance. Oh. Je m'ai tombé. Pour votre santé, n'échangez pas votre culotte contre une montre dans la rue ou ailleurs. Très bien. Alors, au niveau gameplay, à quoi s'attendre? Eh bien, nous avons des éléments... alors, j'ai pas cliqué, hein. Sachez-le. Juste, je passe ma souris dessus, en fait. Une affiche pour le groupe de jazz d'un speakeasy du quartier. Ok, bah c'est en concert tous les soirs au Constant Club. Je suis très très fan de l'ambiance, très très fan. C'est une musique qui me parle tout particulièrement. Et une ambiance pas moins. Une voix imposante et des cuivres puissants, du bon jazz. Ok. Ouais, alors est-ce qu'on peut, genre, mettre la musique dedans? Mettre le vinyle? Tellement stylé. C'est tout? Mais non, mais je vais écouter plus de musique, moi! Ah, c'est bon. Un truc, une serviette échangée après une nuit d'attraction. Ok. 986. Ok, très bien. On va appeler. Tu penches un peu. Ah mince! 980, 66, 50. Attends, ah mais non, il faut faire un... Hein? Là, il y a à peu près 95% du chat qui ne sait pas ce que je suis en train de faire. Bien sûr. Vous savez pas, vous étiez même pas né. Pour vous, c'est de la fiction, ça. Pour vous, c'est une manière de téléphoner qui est dans un roman SF. C'est haut quand même, hein.
Je n'avais pas de porte quand j'étais petit, du coup je fais ce que je peux. C'est bon? Oh. Ouais, la preuve que j'avais pas de porte quand j'étais petit. Bonjour, comment voyez-vous la fin du monde? Génial. Déjà, je suis fan de la musique, de l'ambiance polaire, l'ambiance noire. Peut-être l'objet devant lui. Ah. Une flasque contre la douleur, idéale pour oublier le temps. Je prends plutôt du mercurochrome, mais ok. Et ça active la flasque. Donc il l'a assassiné. Et là, il boit pour oublier. Et en passant la souris dessus, sur les petites bulles, elles éclatent. Zéro ligne de dialogue, quasiment. Ok. Une chanteuse en danger. Là, c'est la balle qui part. Ah. La doute d'une grande déflagration. J'enquête en fait finalement dessus. Il y a peut-être un truc à l'intérieur. Ah. Plaisir à la guitare. Le Big Bang était une sphère d'une chaleur et d'une densité incalculable. Uniforme et parfait, cet humble volume contenait toute l'énergie qui allait devenir notre univers. Mais, peu à peu, des imperfections apparurent. À la 10-37e seconde, de minuscules fluctuations dans la densité de cette énergie se sont formées. La surface de la création, ayant perdu sa parfaite stérilité, était désormais rugueuse, comme un champ labouré. Ces imperfections énergétiques devinrent les germes qui allaient donner naissance aux étoiles, aux galaxies et à la structure même de l'univers. C'est encore un peu nébuleux, absolument. En fait, il y a deux thèmes que j'aime profondément là-dedans. C'est l'astronomie et le genre polar. Il y a deux thèmes là-dedans, mais qui sont... Voilà quoi. Et le jazz. Écoutez du jazz. Écoutez. Ah, ok. Là, on reste toujours dans du gameplay type une souris, un clic de souris, marcher, deux clics, courir.
Là, est-ce que je bondis? Est-ce que je change de plateforme en allant là? Ok. Non, apparemment, rien ne se passe là. Ok, j'aspire les bulles, les bulles. Ok, c'est fait seulement pour imaginer le gameplay. Voilà. Pour t'enseigner un peu le gameplay. Quoi? Des flasques? Fournisseur? Que le thème c'est l'alcoolisme? Des graines blanches qui se nourrissent de la lumière. Ok. Ok. Oh. Oh. Donc tu le prends, tu le... drag and drop. Hein. Ok. Donc là, à mon avis, on ne doit pas pouvoir passer là. C'est vraiment très subtil, hein. Voilà, là. On a deux autres graines sombres qui absorbent... Ah, attendez. Une graine sombre qui absorbe l'énergie noire, justement, ces rubans noirs. Ouais, on influe sur le cosmos, là, avec du jazz. C'est ouf, c'est ouf, c'est incroyable. Ça m'appelle Flower sur PlayStation, qui a été l'une de mes grandes découvertes. C'est le printemps. Et là, là, ce que je suis en train de faire, vous voyez pas, c'est la souris, c'est que je reste sur le clic gauche et en bougeant la souris, ça bouge les formes. En faisant des cercles concentriques. Fasciné. Hop là. Je crée l'univers avec du jazz. Pardon, c'est trop. En fait, je choisis là ce que je veux. Comme type de graine.
je choisis la fréquence en fait. Je place la fréquence pour faire pousser la plante. Là, je... Ouais. Trop stylé. Trop stylé. Faut faire un maximum. Ok. Je suis émerveillé. Je suis désolé. Je trouve ça fantastique en fait. Hein. Papa. Je vais mettre la manière de... Oh. Ok. Alors. Il faut que les racines atteignent l'eau en dessous. Pour ce faire. Ok. Envoyer les cailloux dans l'espace. Il faut arracher. Il faut former les astéroïdes. On est vraiment de la création d'univers là, en fait. Là par exemple, je fais. Je reste à fixer sur le. Qu'est-ce que c'est que ça? Du popcorn troglodyte. Ok. C'est très. Sachez-le, c'est très satisfaisant. C'est... Vous savez cet épisode de Malcolm, lorsqu'il y a Bryan Cranston qui. Récolte une somme et qui passe son temps à tout passer sous un rouleau compresseur. Hop. Eh bien, il y a un côté pareil avec les petits pop-corn là ici. Allez, petit ficus. Allez, pousse, pousse. Je suis en train d'arracher. Et même les os, en fait. Hein. Il y a un truc très éco-responsable là-dedans. Allez. Est-ce que... Ah, ok. Il faut fragiliser. Voilà. Le sol pour donner accès à la racine pour aller dans le souterrain. Heureusement que je creuse des tombes, je savais pas comment faire. L'eau va à la plante. La plante va se mettre à pousser. Ok. Ça donne la vie et ça donne évidemment... La plante donne un élan, bien sûr. J'ai l'impression que tu peux choisir l'un des deux comme tu veux. Mais que ça apporte toute une multitude de choix, en fait. Et on dirait moi quand je bosse.
Ah, c'est pas parce que ça explose pas que ça va pas dans tous les sens que... Non, je trouve ça totalement fascinant en fait. Passe. Là, je bouge la souris, par exemple. Ok, il y a toute une logique à... Un ressort de montre, plein de potentiel et une forme connue qui demande une étude approfondie. Il y a des éléments qu'il faut cliquer, il faut saisir, il faut être alerte, il faut être vraiment présent en fait. Mais... Non... En train d'enquêter sur tout ça en fait hein. Pour voir comment en utilisant l'espace et le temps je peux sauver la nana. Bon, vous avez compris le schéma hein, comment faut sauver les gens hein. Ok. Concert. Et c'est moi qui manipule ça, hein. C'est-à-dire que là j'ai fait un clic gauche pour aller tout droit vers le fond de la salle. Et je reste appuyé sur le clic gauche là, actuellement. Ces manips, c'est moi qui les décide. Enfin, bien sûr, elles sont entre guillemets scriptées. Hein. Et là, en passant la souris sur les petites bubules, je les fais disparaître pour pouvoir boire de nouveau. Jusqu'à être envoûté par la musique. C'est très concept, faut vraiment avoir une image. Fermez les yeux, les enfants! Et c'est raconté sous forme graphique. Là, je passe par exemple la souris sur les petites bulles pour activer la séquence suivante. Et là, probablement, c'est... Et il y a toute une musicalité derrière, avec du jazz. Et là, les discussions entre les nanas en bas, bah, c'est du saxo, quoi. Donc tu peux présumer que voilà, mauvais souvenir avec des rencontres.
Papa. Nostalgie, quelqu'un qui se rappelle de son passé. La flasque d'alcool. L'élégante flasque, abîmée et négligée. Papa. Quelque chose d'autre à faire alors du coup. C'est le méchant? Ouais, j'ai pensé à la même chose. Que c'est l'assassin. Hop. La musicalité de l'espace des choses. Ah! Le caillou pour faire des... Pour attirer son attention. Un plus gros caillou. Non, il n'a pas l'air de vouloir percuter. J'aurai bientôt plus de cailloux, hein, tu te rends pas compte. Ok. Une élégante boutonnière lancée à une admiratrice ou à jeter à un perturbateur. Je suis un peu les deux en même temps, hein. Alors par contre, on pouvait saisir un truc. Ah! On applaudit le spectacle. Donc le gars est admiré. Il est peut-être admiré par la nana en question. Ah ouais, dans le four. Regardez! On dirait Wayne's World. Ah, le mec, il vit sa meilleure vie en bas. Hein. Non, c'est hyper rafraîchissant comme shot dev. Là, par exemple, j'ai saisi le cadre et c'est moi qui je fais glisser vers le bas progressivement. Et je reviens et c'est moi qui fais défiler la scène. Ça serait un jeu qui serait intégrable à des concepts genre de Nintendo, de game design et de gameplay qui sortent de la norme. Là, pareil. Plusieurs clics gauche pour... Pour faire se retirer les rails. Faut vraiment se laisser porter... Et on joue là en duo du coup. Ok, je dois suivre à mon avis logique. Donc le deuxième puis après le quatrième. Et
là, on est en tandem. Ah mince, j'ai pas... j'ai loupé. Non, c'est foiré. Arrête de faire la tête! Ok. J'arrive à souffler dans un saxo et à manger une amande en même temps. Le sport et le cardio mènent à tout. Il a fallu que je passe sur toutes les notes. Mon nouveau poteau! On refait l'univers. C'est les fins de soirée, ça. Mais non! Tu refais toute la ville! Tu recrées toute la ville en musique. Et là, t'es avec ton pote, tu refais la... Tu refais tout, tu discutes, tu fais connaissance. Voilà. Et le train passe. Et il faut faire... faut que je fasse avancer le train sur le... Et le temps passe. Le temps passe.
Et des gens meurent. Quoi ? Pardon ? Thank you.